Monsieur le vice-premier ministre, Monseigneur, Excellences, messieurs les ambassadeurs de Peace and Sport, chers partenaires de Peace and Sport, chers champions de la paix, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue au 6e Forum international Peace and Sport. Bienvenue à Sotchi, bienvenue en Russie. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui nous sont fidèles depuis les premiers jours, depuis le premier forum, l'ont noté et en ont compris l'importance. Pour la première fois depuis la création de notre organisation, le Forum international Peace and Sport se déroule hors de Monaco. Pour la première fois, il est organisé à l'étranger. La principauté reste notre terre d'accueil, le siège de notre association et le lieu où tout a commencé. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, le sait mieux que quiconque. Je tiens à le remercier en mon nom et au nom de notre organisation pour sa présence parmi nous ce soir et pour son soutien indéfectible à notre cause en tant que patron de Peace and Sport. Merci, Monseigneur. Mais cette grande première n'est pas seulement une date historique pour Peace and Sport, parce que nous changeons de décor. En organisant ce 6e forum international loin de nos bases, nous ouvrons une nouvelle ère pour notre organisation. Une ère plus universelle. Une ère où notre message, une paix durable par le sport, se fera entendre de plus en plus loin. Et j'en fais aujourd'hui ici le vœu de plus en plus fort. Au cours de ces 5 dernières années, nous avons fait avancer ensemble, par nos échanges, par nos témoignages, par notre volonté et par la force qui nous anime, l'idée que le sport peut contribuer à une paix durable. Cette idée a pu, tout au début, passer pour une douce illusion, mais elle a progressé dans les esprits et surtout sur le terrain, humblement, pas à pas, sans chercher à brûler les étapes. Aujourd'hui, alors que notre organisation fête sa 6e année d'existence, nous pouvons regarder le chemin parcouru avec une certaine fierté. L'utopie d'hier est devenue réalité. Une communauté mondiale de la paix par le sport commence à se dessiner. Mais c'est le moment d'aller plus loin, car cet engagement ne peut pas avoir de frontières. Il doit porter ses valeurs partout où c'est nécessaire dans le monde. C'est aussi le lieu. Nous sommes réunis ce soir à Sotchi, en Russie, à la croisée de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient. À Sotchi, la ville hôte des prochains Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. À Sotchi, qui a pris l'engagement de servir les valeurs universelles de l'olympisme et où s'ouvrira dans moins de 2 ans la prochaine trêve olympique. En nous accueillant, Sotchi et la Russie nous offrent l'opportunité d'élargir nos horizons. Je veux les en remercier. Monsieur le vice-premier ministre, chers amis de la Fédération de Russie, chers amis, c'est aussi avec énormément d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Il y a plus de 30 ans, j'ai eu l'opportunité et la chance de voyager dans votre grand pays. À cette époque, le monde était marqué par d'autres réalités géopolitiques. L'Europe divisée, l'inconnu faisait peur, on parlait de guerre froide. J'ai compris à cette époque, dans ce contexte particulier, avec mes regards et ma sensibilité de jeune athlète, que le sport m'offrait, que le sport nous offrait une opportunité unique de dialoguer, débattre, vaincre l'ignorance réciproque et créer des amitiés fortes. Des amitiés qui ont marqué ma vie dans un pays que l'on appelait alors l'Union soviétique. Plus de 30 ans ont passé et je suis resté fidèle à mes amis et à mes idées. Monsieur le vice-premier ministre, chers amis, nous nous retrouvons tous aujourd'hui avec un devoir, savoir regarder en arrière pour mieux agir demain et faire de ce 6e forum un nouveau pas réussi dans la cause de la paix
par le sport. La Russie occupe à ce titre une place particulière, la nouvelle Russie sur l'échiquier politique qu'elle peut, qu'elle doit mettre au service de la paix par le sport, forte et riche de sa propre histoire. Ladies and gentlemen, I need to tell you about four kids from the organization Skate Estonia. Skate Estonia, you will remember as they won Peace and Sport Award last year in this same forum. It is an innovative and courageous NGO based in Kabul, bringing skateboarding to youngsters with few opportunities for any sport at all. These kids are called Khorshid, Mohamed Eza, Navad, and Parvana. All of them passionate skateboarders, having picked up the sport through Skate Estonia, demonstrating the sort of carefree enthusiasm for it that children should be free to do, their heads full of dreams and no limits to what they might achieve. In early September, Khorshid, Mohamed Eza, Navad, and Parvana were out in the streets of Kabul when another teenager blew himself up, a suicide bomber. In this tragic act of violence, he killed all four of them, along with two of their friends. These kids are victims we will not forget. According to official report, over the last decade, 2 million children have died, 6 million have been injured due to armed conflict around the world. Imagine what that means. It means that over the 3 days of this conference, over 6,000 children will have been either killed or injured. This is the reality. But as terrible and as unfair as it is, we cannot be lost in grief or in a sense of despair. Far from it, it gives us more strength and determination to continue step by step to build neutral inter-community dialogue through sport, to build a lasting, sustainable peace through sport. So, how can this forum help to do that and help to meet your own expectations? What methods will be identified to enable us to act together in a concerted manner? What resources do we need to ensure that our commitment to build a better world continues in the long term? Let me suggest some ways. To contribute to sustainable peace, sport must serve as a tool for society. Sport does not only belong to the sports movement. Sport must be seen as an investment for society. It should be seen as a basic asset for society, for youth. It has to be part of a social cohesion approach and fully integrated into governmental policy. To contribute to sustainable peace, sports needs you. It needs all of us. It needs our ideas, our projects, and our determination. It needs our champions to be the catalyst and to move forward young generations. All together, we will advance further. To contribute to sustainable peace, sport must adapt to its environment by adjusting its practices and its rules. Sport has to adapt to the local environment, to local culture, and to local needs. To contribute to sustainable peace, sport must seek support from the private sector. It must look for new resources from large corporations which have understood, some of them a long time ago, the social development role that sport can play. I have another story I want to tell you. Some months ago, I received a very special letter informing me about the sad killing of a tribal king in a region where we are active along a border.
The second part of the letter was full of hope. Because if in the past such an event would have been followed by a revenge genocide, however, dialogue established through sport, exchanges, made that it did not happen, and local leaders were so encouraged to continue along this new road. This must give us energy and courage. This is the real power of sport. We have to act on the ground, everywhere where it is possible. We owe it to the likes of Khorshid, to Mohamed Eza, to Nawad, and to Barwana to make this happen. As it has not defeated skaters tongue, who carry on their daily activities, peace and sport, as well as the whole peace through sport world community, need to develop their power of action. It is the source of our fight. And I think it is the best fight that sport can offer. Ladies and gentlemen, dear friends, I wish you all an enriching Peace and Sport International Forum. Спасибо большое. And I would like to add, поехали.